Chers amis, shalom, on se revoit, on se voit le jour de la veille du jour de la commémoration des soldats tombés à la défense d'Israël et de toutes les autres victimes des actes terroristes et des guerres menées par Israël pour sa renaissance, pour son existence, pour son rayonnement aujourd'hui. Vu que dans le cadre de notre cycle avec Merkaz Atid Israël, on parle du lieu d'Israël, eh bien je voudrais parler de quelques lieux. De quelques lieux. À vrai dire, j'aurais voulu mener cette rencontre à l'extérieur de mon balcon, mais vu le temps, vu le vent très très fort, vous n'entendrez que le vent. Peut-être que c'est aussi très agréable, mais en tout cas, vous entendrez beaucoup moins de choses sur l'histoire. Alors, où a été sauvé Jérusalem? Où a été sauvé Jérusalem? Lorsqu'on regarde sur la guerre d'indépendance, eh bien, on a beaucoup de difficultés à situer son centre tant au niveau du temps qu'au niveau géographique. C'est la guerre la plus dure qui a été menée par l'État juif. C'est aussi une guerre très 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 longue. Elle a commencé le lendemain du vote aux Nations Unies. Le vote a eu lieu le 29 novembre, donc la guerre a commencé le lendemain, le 30 novembre, avec un attentat terroriste contre un bus qui allait de Netanya à Jérusalem. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui Tzomet Sirkin, le carrefour, l'intersection Sirkin, près de Petah Tikva. Et puis, elle s'est terminée, cette guerre. Elle s'est terminée le 10 mars 1949, c'est-à-dire presque un an et demi plus tard, très très loin de là, à Rashrash. Qu'est-ce que c'est Rashrash? C'est Eilat, donc avec la conquête de Eilat dans le cadre de l'opération Ouvda, où avec Eilat, on a aussi conquéri véritablement tout le Negev, centre, sud, etc. Donc là, on voit qu'effectivement, le périmètre, il est très large, le temps, il est très large. Alors, où mettre le centre névralgique, le cœur des combats? Pourquoi est-ce qu'ils étaient livrés sur ci ou sur un autre lieu? On sait qu'il y avait des combats très difficiles à Givat Mordechai. On sait qu'il y avait des chars syriens qui ont été arrêtés à l'entrée immédiate du kibboutz Dgania sur le Kinneret. On sait que des combats très difficiles ont été menés à Tzfat et dans la Haute Galilée, Basse Galilée, etc., etc. Alors, où placer le centre? Eh bien, pour faire cela, eh bien, la meilleure des choses, toujours, c'est de s'adresser au commandant général. Le commandant général, celui qui, sans porter ce titre, était de fait celui qui décidait des combats, eh bien, c'était le premier ministre, le premier premier ministre d'Israël, David Ben Gurion, eh bien, qui était aussi la première personne à avoir prévu, à avoir vu que véritablement ce qui nous attendait avec le début des combats, ce n'était pas des combats de l'ordre des émeutes arabes de la fin des années 30 ou de 29, où on peut se défendre bon an, mal an avec des unités qui ne comptent pas plus que 50, maximum 100 personnes, des compagnies, etc., mais certainement pas des brigades ou des divisions armées, non, non, non. Et lui, il a dit, en se retirant dans ce qu'on appelle son séminaire, où il fait l'état des choses de notre armée, et lui dit, non, ce qui nous attend avec l'indépendance, c'est une guerre d'armée contre armée. Donc, il faut s'organiser et effectivement, il faut bâtir notre armée. Eh bien, c'est ce même Ben Gurion qui, quelques mois plus tard, qui va dire que le cœur, le centre du combat, des combats, de tous les combats de la guerre d'indépendance, eh bien, c'est Jérusalem. Il s'exprime à sa façon que 10 mesures de souffrance sont tombées sur Eretz Israël, le peuple juif, pendant la guerre d'indépendance. 9 mesures sur 10 sont tombées sur Jérusalem.
savez, je vais vous le citer. Je vais vous le citer. Jérusalem, de manière aussi bien directe que indirecte, était l'objectif central de toutes les armées arabes. Leur calcul était juste. La conquête de la Jérusalem juive, ce serait un coup fatal, mortel à tout le Yishuv, et briserait la volonté des Juifs et leur capacité à tenir, où qu'ils soient. Si on avait perdu Jérusalem, il l'écrit plus tard, si on avait perdu Jérusalem, eh bien cela aurait été un coup mortel, fatal, porté au Yishuv entier. Ce qu'il dit, ça aide à comprendre sa position durant les jours les plus difficiles, les premiers jours, pas les premiers jours, mais les jours les plus difficiles de mars, de avril et de mai 48, où il dit la chose suivante, que Jérusalem pourra se débrouiller sans le Yishuv, peut même exister sans le Yishuv, sans tout le reste de la population juive en Eretz Israël. Le Yishuv, et comme il le dit ensuite, l'État d'Israël ne pourra pas exister sans Jérusalem. Il faut savoir, il faut se rappeler de cette phrase quand on nous dit que Ben Gurion était une personne qui ne s'est pas mariée à la Rabbanout et qui n'avait pas de mezouza à sa porte et qui a mis la kippa à deux occasions durant toute sa vie. C'était un personnage pas univoque, mais qu'on ne peut pas juger à l'aune standard à laquelle on a l'habitude de juger les gens. C'était la personne qui savait que la bataille, la guerre d'indépendance d'Israël sera décidée en un endroit. Quel endroit? Jérusalem. Bon, maintenant, une fois ces choses dites, eh bien, une fois qu'on a compris quel est le lieu où a été acquise l'indépendance d'Israël, même si l'indépendance a été déclarée, on va le voir demain, Bezrat Hashem, à Tel Aviv, eh bien, là où elle était défendue, conquise et acquise, eh bien, c'est à Jérusalem. Encore une fois, c'est Ben Gurion qui le dit. Eh bien, il faut savoir où est-ce que Jérusalem a été sauvée, d'où elle a été protégée. Commençons par l'endroit le plus proche de là où je me trouve, et l'endroit où effectivement qui a joué un rôle essentiel dans la défense d'Israël, de Jérusalem, et c'est Gush Etzion. Gush Etzion, le 3 Gimel Shvat, Tachach 5708, c'est le 14 janvier 1948, eh bien, les armées irrégulières, les irréguliers arabes, avec à leur tête Abdelkader Husseini, avec des Bédouins, avec des Arabes qui viennent de Hébron, qui viennent de Beersheba, qui viennent de tous les alentours, qui viennent de la région de Jérusalem, eh bien, ils commencent à attaquer les quatre Yeshuvim, les quatre localités de Gush Etzion, Kfar Etzion, Revadim, Ein Tsourim, Masuot Yitzhak. Ils commencent à les attaquer de front et c'est une attaque où ils subissent une défaite des plus cuisantes. Trois soldats juifs perdent leur vie, plus d'une centaine de soldats arabes périssent, les autres fuient, et c'est à ce moment, je rappelle, janvier 1948, que les Arabes reconsidèrent leur stratégie et ils disent que les Juifs sont imprenables de front, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les attaquer sur les routes. Il faut couper les artères
de transport qui relie chaque ville à une autre, chaque localité à une autre. Il faut couper Gush Etzion de Jérusalem. Il faut couper Atarot, Neve Yaakov de Jérusalem. Il faut couper la vieille ville de Jérusalem de la nouvelle ville de Jérusalem. Il faut couper, si possible, les quartiers au sein de la nouvelle ville de Jérusalem, les quartiers sud de Jérusalem, comme Arnon, comme Talpiot, comme Makor Haïm, des quartiers centre de Jérusalem, de Ben Yehuda, de Yafo, etc. Il faut avant tout couper Jérusalem du reste du Yishuv. Il faut couper Jérusalem de Tel Aviv. Il faut couper Jérusalem de la plaine côtière et des vallées qui grimpent de cette plaine jusqu'à Jérusalem. Parce qu'il faut savoir que Jérusalem, à l'époque, c'est peut-être l'une des... D'un côté, c'est la plus grande ville. C'est une ville qui compte, à l'époque, 100 000 juifs, sur en tout et pour tout 650 000 juifs dans tout le Yishuv. On parle de 1948, Tachar. Maintenant, c'est une ville qui est relativement isolée. Pourquoi? Parce que, à la différence de notre première conquête d'Israël il y a 3300 ans avec Yehoshua ben Nun, de notre second retour en Israël de Babylone, où nous sommes revenus tous de l'Est et nous nous sommes établis d'abord sur la montagne. Et c'est seulement après, avec beaucoup de difficultés, qu'on a descendu et qu'on a conquis la plaine côtière, seulement avec David Ameller, sachant que sur cette plaine côtière, elle était peuplée et occupée par les Philistins, par les Plishtim. C'était le dernier endroit où on s'est établi, tant à l'époque du premier temple qu'à l'époque du second temple. Maintenant, à l'époque du troisième temple, c'est-à-dire notre époque, Bezrat Hashem Bimira Be'Amenu, eh bien, on a commencé, comme on en a parlé hier, on a commencé notre retour par la mer, c'est-à-dire qu'on a commencé notre retour par la plaine côtière, ensuite par la vallée. Aujourd'hui encore, on dit Migadera Atradera, okay? On dit de Haïfa jusqu'à Ashkelon. C'est là qu'il y a l'essentiel de la population juive qui réside jusqu'à ce jour avec Gush Dan comme le grand centre, Tel Aviv, etc., etc. Et ceux qui allaient à la montagne, ceux qui étaient attirés vers l'Est, eh bien, c'était une minorité. Essentiellement, c'était quoi? C'était Jérusalem. Donc, Jérusalem, visiblement, c'était la seule ville, le seul grand point de peuplement juif qui se trouvait sur la crête de la montagne, avec quelques yeshuvim au sud, c'est-à-dire Gush Etzion, avec quelques yeshuvim au nord, c'est-à-dire Atarot, Neve Yaakov, avec un Yishuv à l'est, Beit HaArava, qui défendait Jérusalem, mais sinon, Jérusalem était coupée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la libérer. Maintenant, et les Arabes, ils comprennent l'état où nous sommes, donc ils disent, Jérusalem est coupée, Jérusalem, c'est le cœur, c'est ce qui tient la volonté, le moral du peuple juif, où qu'il soit, en Eretz Israël. Donc, c'est la ville qui doit être coupée. D'abord, c'est les forces irrégulières qui prennent état de cette chose. Et ensuite, on va voir que aussi, l'objectif principal des armées arabes, à commencer par la Légion arabe, commandée par les Anglais, armée par les Anglais, entraînée par les Anglais, commandé par Globe Pacha, un commandant anglais qui s'est converti à l'islam, eh bien, l'essentiel de leur combat, c'est à Jérusalem. L'armée égyptienne, elle aussi, elle essaye d'atteindre Jérusalem. Elle arrive à Jérusalem presque, presque. Il y a des combats très difficiles qui sont livrés à Ramat Rachel, qui change de main environ 3 fois entre les forces du Palmach et les forces égyptiennes. À l'époque, Ramat Rachel ne fait pas partie de Jérusalem, mais pour tous ceux qui connaissent Jérusalem aujourd'hui, Ramat Rachel, c'est le dernier arrêt du bus numéro 7, et c'est loin d'être le quartier, le kibboutz, le quartier
Le plus au sud de Jérusalem, il y a Guilo, il y a Roma, Roma Tchmuel, beaucoup d'autres quartiers, etc. Bon, on revient. On revient à la défaite de Abdelkader Husseini le 14 janvier près de Gush Etzion. Depuis, il commence à serrer les routes et tout commence à changer et tout va de mal en pis, à tel point que même les États-Unis, qui ont naturellement, qui ont voté pour le plan de partage le 29 novembre 1947, avec le président Truman, eh bien, le département d'État fait marche arrière. Il fait marche arrière à tel point qu'ils veulent renoncer au vote à la solution de partage, dans le cadre de laquelle doit être formé un État juif, et ils veulent redonner la Palestine, entre guillemets, à une sorte de protectorat des Nations Unies dans le cadre du plan qui s'appelle Morrison-Grady. Et ici, en Israël, dans le Yishuv, on est pris de panique et, comme le dit Israël Galili, un des commandants de la Haganah, a Eima, Olida, Eta et Aza. C'est-à-dire la terreur, la peur a donné naissance au courage. Et depuis, tout a commencé à changer. Première chose, on parle de début du mois d'avril. Début du mois d'avril, Ben Gurion s'adresse à tous ses commandants au sud, au nord et au centre. Et il dit que nous devons concentrer toutes nos forces, pour libérer le corridor, le couloir qui mène à Jérusalem. C'est-à-dire, ça commence à Bab el-Ouad de la Troun, Bab el-Ouad c'est après la Troun, et jusqu'à Jérusalem, la route qui est pratiquement intraversable à l'époque. Il faut savoir que aujourd'hui, on parle des unités d'élite. Eh bien, à l'époque, l'unité d'élite pendant cette guerre, c'était les conducteurs de convois, c'était les conducteurs de camions qui étaient là à avancer à quelques kilomètres heure avec leur approvisionnement pour Jérusalem assiégée et qui étaient une proie des plus faciles pour les soldats ou les soldats arabes qui étaient là sur la montagne au-dessous à leur tirer dessus à jeter des pierres à mettre le feu bloquant les convois et ensuite brûlant vif etc. Donc Ben Gurion dit que écoutez, nous devons ouvrir ce couloir qui ouvrira véritablement la voie à Jérusalem et sauvera Jérusalem. Jérusalem, à l'époque, manquait de farine, manquait d'eau, manquait de tout. Le Rav Goren, le Rav Shlomo Goren, le premier grand rabbin de Tzal et qui deviendra ensuite le grand rabbin d'Israël, eh bien, il disait qu'au mois de Shavuot, mai 48, pour tout Jérusalem, pour tous les 100 000 habitants de Jérusalem, il n'y avait qu'un sac de farine. Un sac de farine pour tous les habitants, tout simplement pour donner la mesure des choses. Enfin, top. Alors, on organise pour la première fois des brigades entières et qui vont être lancés dans le cadre de l'opération Nachshon et qui vont prendre les lieux élevés comme le Castel, a commencé par le Castel pour ceux qui connaissent sur la route de Jérusalem. C'est ainsi
que la route va être ouverte. Cela dit, à Jérusalem même, les combats, on approche du jour du jour de l'indépendance. On se trouve pendant les jours de Pessah, Tachar, Pessah 1948, le combat décisif va être mené dans un lieu qui s'appelle le monastère Saint-Simon. Aujourd'hui, vous vous promenez près du monastère Saint-Simon, c'est un lieu à côté, j'imagine, c'est à 100 mètres, c'est à 100 mètres de l'endroit du centre Merkaz Atid, de là où se trouve le centre Merkaz Atid, c'est juste de l'autre côté de la rue Shai Agnon, il y a un parc et c'est là-bas qu'a eu lieu le combat le plus décisif pour sauver la ville de Jérusalem. Dans ce combat, ont combattu une bonne partie des futurs commandants en chef de Tsahal, à commencer par Raphaël Eitan ou par Dado. David Elazar, qui était le commandant pendant la guerre de Yom Kippour, Raphaël Eitan, qui était le commandant en chef pendant la première guerre du Liban, il était commandant pendant 5 ans, il était Ramatkal, commandant en chef d'Israël. Narkis était là-bas, Uzi Narkis, et Ben-Ari, Uri Ben-Ari, qui commandait les divisions de chars qui ont libéré Jérusalem aussi pendant la guerre des six jours. C'est-à-dire, on voit que toute l'élite de Tsahal qui servait à l'époque, surtout dans le Palmar, eh bien, ils ont participé à ce combat de Saint-Simon, du monastère de Saint-Simon. Pourquoi est-ce qu'il était si important? Eh bien, parce que c'était tout d'abord une colline. C'était une colline qui surplombait environ tous les quartiers juifs environnants. Pour ceux qui connaissent le quartier Makor Chaim à Jérusalem aujourd'hui, eh bien, c'était un quartier qui était juste en contrebas de Katamon, de Saint-Simon, du Minzar Saint-Simon, et qui était pratiquement assiégé par les tirs, par les mortiers qui étaient assénés sur lui du Minzar, du monastère, entre guillemets, monastère orthodoxe grec, de Saint-Simon par les forces arabes qui étaient là-bas. Et c'était un endroit qui coupait en deux la Jérusalem nouvelle et qui devait être pris à tout prix, tellement que Uri Ben Ari dit que il a reçu l'ordre de prendre tel quel, de conquérir cet endroit, Bechol Mechir. Bechol Mechir, c'est-à-dire, essayer de comprendre, mais qu'est-ce que ça veut dire, Bechol Mechir? Qu'est-ce que ça veut dire à tout prix? C'est-à-dire, est-ce que je dois, quel, et tous les commandants avec lui, quelles doivent être les pertes pour que je puisse battre en retraite? Et il sentait, il le dit dans ses livres, une quantité énorme de livres ont été écrits en Israël sur ce combat. Quelles doivent être les pertes pour que je ne puisse pas battre en retraite? Et il savait que c'est un moment qui allait arriver parce que les forces arabes qui étaient là-bas étaient en grand nombre. Et elles étaient, surtout, elles avaient un très grand avantage de l'endroit où elles se trouvaient. Et fin Pessah, Tachar, il faut savoir, c'est très intéressant, mais les combats décisifs ont eu lieu pendant le mois de Nissan. Benissan Nigalou, Benissan Atidin Leigael. J'imagine que ce n'est pas
Ce n'est pas par hasard. Je ne veux pas raconter en détail tout ce combat, mais je vais en raconter juste la fin. La fin, c'est que une partie du monastère a été conquise, a été prise, mais les Arabes continuent à pilonner de tous les endroits possibles les Juifs qui sont cantonnés dans ce monastère. 75% des Juifs sont blessés, beaucoup sont morts. L'infirmier, c'est un Juif qui est rescapé de la Shoah et au qui on demande maintenant, bah, écoute, maintenant, c'est toi qui vas décider qui va rester en vie, qui va rester en vie et qui va mourir. Pourquoi? Parce qu'on doit battre en retraite. On n'a plus de munitions, on n'a pratiquement plus de vivres, on combat depuis des jours. Et puis les Arabes ne sont pas prêts de céder. Donc c'est toi qui vas décider. Pourquoi? Parce que tu es l'infirmier. On ne peut pas tous amener. La plupart des blessés ne peuvent pas marcher. Et la dynamite qui reste, eh bien, elle est placée dans l'endroit et dans les fondations de là où sont rassemblés tous les blessés. Parmi eux, un des blessés, c'est Raphaël Eitan. Il a été blessé à la tête. On a échafaudé pour lui une table, une chaise. On lui a donné un fusil, un Bren anglais, et on l'a mis à la fenêtre pour que de sa seule main qui continue encore à fonctionner, il puisse tirer sur les Arabes. Mais sinon, pour tout le reste, ça fonctionne beaucoup moins. Donc là, on est prêt. Ceux qui savent peuvent encore marcher. Eh bien, on leur donne ordre de faire retraite. Les officiers et certains officiers vont rester avec les blessés pour tout dynamiter après la retraite de ceux qui peuvent marcher, afin que les blessés ne tombent pas aux mains des Arabes. On sait ce que les Arabes font aux blessés et aux Juifs qui sont faits prisonniers. Et puis, quelques minutes avant le signal de donner en retraite, eh bien, ordre est reçu du commandant Yosef Tabenkin qu'on a intercepté des messages. Des messages qui ont été émis par les Arabes qu'ils ont entre eux et entre eux et les Anglais où ils sont à bout de force et c'est eux qui pensent faire retraite. Comme il est dit au sujet de ce combat, que quand il pleut de notre côté, eh bien, il pleut aussi du côté de nos ennemis. Et donc, il faut juste savoir serrer les dents et tenir encore 1 minute, encore 2 minutes, encore 5 minutes. Et pour finir, c'est les ennemis qui vont flancher. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Quelques heures après, arrive du renfort juif et le renfort arabe n'arrive pas. Pourquoi? Parce que les renforts jordaniens qui doivent arriver de Hébron, eh bien, ils sont coupés sur la route. Quelle route? La route de Gouch Etzion. Les soldats et les combattants de Gouch Etzion sortent de leur yeshuvim pour couper la route aux légionnaires arabes pour qu'ils ne puissent pas arriver à Jérusalem. Et effectivement, ils n'arrivent pas à Jérusalem. Au lieu d'arriver à Jérusalem, ils se concentrent sur les quatre yeshuvim, sur les quatre yeshuvim de Gouch Etzion, qu'ils finissent par conquérir la veille du jour de l'indépendance. On en a déjà parlé pendant notre première rencontre. Tous les habitants, sauf trois de ces Yishuvim, 240 personnes sont mises à mort. Mais ces quatre Yishuvim, comme le dira ensuite Ben Gurion, eh bien, ils auront aussi,
C'est eux qui ont sauvé Jérusalem, pas seulement parce qu'ils ont coupé la route de Jérusalem en général de la Légion arabe, mais parce que dans ce combat décisif pour Jérusalem du Minzar de Saint-Simon, les renforts arabes ne sont pas arrivés. Et pour finir, les Arabes ont commencé à se replier. Et Saint-Simon est resté entre nos mains et toute la nouvelle ville de Jérusalem est restée entre nos mains. Maintenant, ce qui a été accompli et ce qui a été acquis au Minzar de Saint-Simon, au monastère de Saint-Simon, eh bien, ça a fait école. Pourquoi? Parce que celui qui commandait toute l'armée de Tsahal pendant la guerre de Yom Kippour, la seconde guerre la plus difficile d'Israël après la guerre d'indépendance, c'était Dado. Et les impressions qu'il avait conservées, et ceux qui le menaient, ceux qui l'orientaient et le guidaient pendant cette guerre de Yom Kippour, c'était les impressions qu'il avait acquises, les cicatrices qu'il avait reçues à Saint-Simon. Et même chose pour Raphaël Eitan, qui était commandant au nord, sur le Golan, où il disait que ce qui m'a fait tenir, ce qui ne m'a pas laissé flancher au Golan, lorsqu'on savait que les Syriens avaient par endroit 10 fois plus de chars que nous, qu'ils avaient l'avantage géographique, qu'ils avaient l'avantage en aviation, en artillerie, etc., etc. Mais ce qui m'a donné les forces de tenir, c'est la conviction que s'il pleut de mon côté du front, eh bien, il pleut aussi du côté de mes ennemis. Et il faut serrer les dents, encore 5 minutes, encore 10 minutes. Les renforts vont arriver. L'ennemi va flancher, va céder. Donc, on peut dire, et c'est effectivement la stratégie qu'il a employée aussi pendant la guerre de Yom Kippour. On peut dire que à Jérusalem, on a remporté la victoire pendant la guerre d'indépendance, et à Jérusalem, on a aussi remporté la victoire pendant notre seconde guerre d'indépendance, à Yom Kippour, Milchemet Yom Kippour. Et Jérusalem, c'est pas pour rien qu'elle est appelée Netzach. Va Netzach, c'est ainsi qu'il est dit dans Masechet Brachot, va Netzach. Yerushalayim, qu'est-ce que ça veut dire? Netzach, Netzach, ça veut dire l'éternité. Netzach, ça veut dire la racine de Nitzachon, la source de notre victoire. Elle est dans notre Netzach, dans notre éternité, qui est incarnée par Jérusalem, et pas seulement incarnée, mais qui est au sens pratique, comme on le voit. Eh bien, c'est elle qui garantit notre survie, notre indépendance, notre éternité. Yom Kimat Yom Yerushalayim, Yom Anitzachon ve Yom Atzmaout Sameach. Bonjour, bonne journée d'indépendance. Kol Tov, on se revoit, Bezrat Hashem, demain pour parler du jour d'indépendance, de la déclaration, de ce qui s'est passé et de véritablement ce qu'on fait. Kol Tov, Leitraot.